Avec ces histoires-là, il en a bientôt 1 million, c'est sûr. Il a 919 000 rigolos. Dire qu'il y en a qui essaient d'en atteindre 10 000, lui, il en a 919 000. Ah, c'est beaucoup. C'est sûr. Daemon, le roi des dump tech. Ouais, j'ai pas vraiment fait gaffe à ça, mais... Merci encore, Jeff, t'es vraiment trop gentil. Trop adorable, mon ami, t'es insane. C'est la Huntress. Il est trop gentil, Jeff. Trop gentil. Il en fait tout le temps et tout le temps ça passe. Ouais. Je suis pas fan de ça, mais bon. Dans 1 ou 2 mois, j'ai le million. Bah là, ouais, Jeff, c'est sûr. Hein. Dans même moins que 1 ou 2 mois, d'ailleurs. T'es vraiment trop fort, Jeff. Merci encore pour ton immense soutien, mon ami. Ça fait plaisir, tu sais. T'es trop gentil. Peut-être crochet plagiateur. Je sais pas. Elle peut tenter une hatchette, mais j'ai un arbre qui me couvre. Je vous laisse, je vais sur Resident Evil. Bon live et bonne soirée. Gros bisous, j'ai X-Eagle, à bientôt, amuse-toi bien. Salut Fodaswam, comment tu vas? Elle est sur la colline, elle peut tenter une hatchette sur moi, tout à fait, ça peut passer. Ça peut passer, tu peux essayer, vas-y. Hein. Franchement, ça peut passer, hein, la vérité. Faut que tu tentes la hatchette sur moi, là. Vas-y, lâche. Lâche-la, la hatchette. Bon, son gameplay est disgusting, mais c'est le gameplay de l'Entress. Hein. Elle a murmure amer. Quand tu finis un générateur, elle voit ton aura. Donc je sais très bien que je pourrais pas décrocher, que je vais me prendre une bastos en décrochant, mais c'est pas un souci. Elle a capté que je savais jouer, je crois. Oh, GG, ils ont des hooks. Salut, Davy. Ben, t'as raté un truc. Tranquille, hein, la routine. Hein, tranquille. Salut, Yanis. Ça va très bien, et toi? C'est important d'aller bien. Je m'en avance la spé science-fiction horreur. Après, je faisais du second degré. Ouais, Courante, mais j'essayais de comprendre. Où est-ce que t'as remarqué que ça y ressemblait? Parce que moi, perso, j'ai pas trouvé qu'il y avait de la ressemblance. J'ai même pas pensé à ça. Donc j'avoue que je comprends pas pourquoi vous êtes plusieurs. Et comme vous êtes plusieurs à y penser, peut-être c'est moi qui me trompe. Et je pense que c'est plus moi qui me trompe d'ailleurs. On va prendre le 8 là, je vais pas l'esquiver, hein. Je vais pas chercher à l'esquiver. Bon, je l'ai esquivé mais j'ai pas fait exprès. Hein. Elle tente des choses intéressantes, mais ici je pense que si je gère bien, tu peux pas me la mettre. Mais faut que je gère bien, certes. Ouais, Yanis, pose ta question, je t'en prie. Hein. Quand elle fouille un casier, elle voit ton aura aussi. Ténèbres révélées. Tu as 700 subs gifs au total, bien que ça ne prenne pas en compte les niveaux des subs. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Hein. Ça devrait prendre en compte le niveau des subs. Elle m'en veut, hein. Elle m'en veut de quelque chose. Hein. Elle m'en veut d'un truc. Hein. Je sais pas de quoi, mais... Allez, là, on va mourir normalement là-dessus. Non, c'est trop... Oh, bien joué, je pensais pas que ça passait ici. Bien joué. Franchement, je savais même pas que ça passait quand t'es corps à corps. À un moment, tu dois reculer. Mais c'est bien joué, hein, à la gérer. Ok, l'esquive est passée. Normalement, là, il y a encore une hatchette, je pense. Je sais pas du tout si elle a encore des hatchettes. J'ai pris large, mais je sais pas. Je sais pas du tout si elle va aller tout droit ou pas, ouais. Normalement, là, elle me touche pas, je pense. Nickel. On peut décaler droite. En fait, non. En fait, oui. Moi, j'ai proposé un gameplay qui est vraiment clean, mais dangereux. Parce que j'ai pris des risques. Après, je crois qu'elle a plus d'hatchettes. On a bien joué, hein. Mais c'est, tu vois, pour ça que j'aime bien affronter la Huntress. Parce que c'est sympa.
Ça sent pas la N13 qui te regarde. Bah, elle joue un peu capitaine sur un gameplay bizarre entre mi, j'attends que ça décroche en balançant des hatchets, et mi, je fais mes chase quand même. Donc c'est assez étonnant comme gameplay. Mais oui, elle joue plutôt tranquille. Hein. Même si au début, je croyais qu'elle te regardait à mort en mode j'attends avec la hatchet levée pendant 2 ans à la colline. Là. Ça, c'est vraiment du gameplay très hard de ouf. Mais elle était plus en mode bah, je tente des hits et puis après, je vais chase. C'est plus un truc comme ça. Quoi. Yo, Medland, comment tu vas? Depuis hier, je peux pas me connecter à DBD, ça me dit connexion au serveur RTM, impossible, je peux faire quoi pour pouvoir rentrer au jeu? Point d'exclamation RTM, Yanis. Normalement, je crois qu'il y a une petite indication. Je pense vraiment que tout le monde a pensé à ça, sauf que les gens ont directement pensé à Alien Isolation, que ça soit le tueur ou bien même la map avec un vaisseau au milieu, j'ai directement pensé à ça. Et tout le monde sur Twitter parlait de ça. Ouais, Cizox, mais c'est juste moi qui suis à côté de la plaque, hein, je pense sûrement, parce que moi, ça m'a absolument pas fait penser à Alien Isolation, pourtant j'y ai joué, j'ai même fait des vidéos sur YouTube d'Alien Isolation, et ça m'y a pas fait penser une seconde. Après, c'est normal, c'est peut-être logique puisque ça se passe un peu dans le même monde, on va dire, entre guillemets. Dans le monde, c'est un peu science-fiction horreur, quoi. Donc forcément, ça peut y faire penser aussi par rapport à ça, quoi, je pense. Mais faut arrêter. Je pense que. Enfin, pour moi, je pense qu'il faut un tout petit peu arrêter de décrédibiliser le travail des devs en termes de conception et de tout le temps dire c'est, je sais pas, un Alien Wish, c'est un machin truc. Moi, je suis pas d'accord avec ça quand même. Au niveau conception, ils sont quand même vraiment très forts. Après, par contre, en termes de gameplay, c'est vrai que c'est tout rien. Soit tu fais un Blight, c'est overbroken en chase, ça n'a aucun sens. Les accessoires sont vraiment... ça n'a aucun sens. Après, tu fais un Wesker ultra équilibré, et derrière, tu fais une marchande de crabe. En chase, c'est une honte absolue parce que c'est nul à chier. Mais alors, en trigène, c'est le tueur le plus fort de l'humanité entière, de tous les tueurs réunis, de tous les jeux vidéo réunis. Ça n'a... Tu vois ce que je veux dire? C'est le... Tu passes de Blight à Wesker à Marchand de Crabe, ça n'a aucun sens. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout équilibré, un jeu asymétrique. Hein. Je voudrais bien t'y voir. Hein. Je sais pas où est la porte, mais je vais aller courant. Je vais aller par là, je pense. Est-ce que tu as une hatchet? Non. Je sais pas si elle a des hatchets. T'as des hatchets? Ah oui. Là, je tombe normalement. Ouais, elle a raison. Elle a raison d'être allée tout droit. On a proposé vraiment un gameplay qui est cerveau time. Non, pas là. Là, j'ai pas cerveau time, certes. Mais sinon, dans le reste, c'était pas trop mauvais. Hein. Salut Lélé, comment tu vas? On espère juste un DLC Alien Isolation un jour. Bien sûr, ce serait trop bien. Car il y avait tellement de vidéos sur YouTube, de concepts, etc. que ça rendrait tellement bien. Ouais. Alien Isolation, c'est vrai, Cizox, ce serait super sur DBD. L'atout de saut qui est toujours pas réparé depuis que je te suis, ça fait déjà 2 ans. Je sais, Zeus, hein. Après, j'ai fait rien pour la réparer non plus. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est pas grave, y'a pire dans la vie. Merci, saut, grâce à toi, j'ai réussi à me reconnecter. Pas de soucis, Yanis. Si le point d'exclamation RTM t'a été utile, il faut remercier Tom, hein. C'est lui qui a tout géré. La petite safe flash, ça peut passer, hein. C'est un peu tard, mais ça passe parfait. Ça, c'est le timing parfait de l'ancienne époque du timing des safe flash. C'est pour ça que je disais que c'était un peu tard. Salut Jox, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je me rappellerai toujours, j'ai joué contre une N13 avec le même skin et elle m'a déchiré. Aïe aïe aïe. Tristesse, Captain Surve. Ça peut arriver, hein. Merci Zeus, c'est gentil. Oh ouais, prestige 93 quand même. Ah, mais c'est celui-là. C'est ce spécimen. Bah, je comprends pas son game. Il est vraiment bizarre. Je vous dis, ce joueur, je l'ai vu sous toutes les coutumes. Oula. Je l'ai vu et affronté sur toutes les coutumes, c'est-à-dire
Merci Zephyr pour le renouvellement de l'abonnement qui t'avait été offert par Tokenmaster. Trop gentil Zephyr, adorable, ça fait plaisir. Comment expliquer? La première fois que j'ai vu ce mec, il a full P1 P2 P3 un gars de ma team, à fond, vraiment vraiment. Merci pour les bites, c'est gentil. Bah, je sais pas qui c'est, mais c'est un gars que j'affronte souvent en N3S, et donc full P1 P2 P3. Après, là, je l'ai rencontré 2 jours après je crois, il a fait un face camp à la cave sans bouger. Donc déjà rien à voir comme gameplay. Ensuite, troisième fois que je le vois, full fair play. Vraiment, genre le mec, attention à ne pas accrocher la même personne, vraiment. Quatrième fois que je le vois, c'était un gameplay très étrange de zoning. Vraiment un gameplay zoning à fond, sans, pas de face camp mais zoning. Et là, c'est la dernière fois que je le vois là, c'est là, tu vois. Et là, il a un gameplay entre zoning et jeu chase. Je sais pas comment expliquer ce joueur. Il a un gameplay tout le temps différent. Après, tant mieux, il a raison. Mais d'habitude, quand tu vois un joueur, tu le vois une deuxième fois, une troisième fois, il a tout le temps à peu près le même gameplay, la même façon de jouer, la même manière de jouer. Lui, à chaque fois, tu le reconnais pas. Parce qu'il joue bizarrement. Mais je respecte le truc, hein. Sans accessoires et tout, avec des perks un peu extravagantes, dans le sens où c'est pas des perks très performantes, c'est plus des perks pour éventuellement trouver des gens facilement et pouvoir tenter des hits. Même si on a vu qu'il a été dodgeable, hein. Elle était dodgeable. Mais voilà, GG. Hein. Bizarre.